Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce défi numéro 4, CrossFit et HIIT. Vous allez avoir encore aujourd'hui plusieurs exercices. Nous travaillons sous le contrôle d'une kiné. Je vous la présente, elle fait partie de l'équipe, Céline Aldeguer, kiné à Taverny. Elle est spécialisée notamment en biokinergie et médecine du sport. Elle a travaillé en centre de rééducation pour les patients atteints d'AVC, service des traumatismes crâniens, paraplégie et tétraplégie de 2008 jusqu'à 2015. Elle a une grande expérience dans le sport également. C'est une athlète qui pratique la gymnastique, le squash, le crossfit et le HIIT. Nous travaillons sous son contrôle pour tous les exercices et la technique de chacun d'eux. Voilà, rendez-vous tout de suite pour notre défi numéro 4. La première étape, l'échauffement. Vous allez exécuter des mouvements de plus en plus intensément pour faire monter la température de votre corps, bien échauffer toutes les articulations, surtout celles qui seront sollicitées dans le WOD, pour éviter les blessures. Tous les groupes musculaires devront également être échauffés d'une façon progressive. La technique. Vous aurez des vidéos qui vous expliquent en détail les mouvements pour toujours garder une progression technique et pouvoir les exécuter de plus en plus rapidement dans la plus grande sécurité. Le WOD, c'est cette séquence qui vous permettra de retrouver les exercices du jour en totalité avec un objectif précis, une forte intensité puisque vous devez battre un record de vitesse. C'est la raison pour laquelle l'échauffement est très important. La quatrième étape, les étirements et le retour au calme. Dans cette dernière phase, vous allez faire baisser votre rythme cardiaque progressivement et étirer légèrement les muscles pour arriver à un retour au calme. Pour les tippings et les sauts latéraux par série de 10, vous avez besoin de 3 objets quelconques. Ici par exemple 3 boîtes à épices, 2, 3. Vous allez disposer au sol avec un écartement régulier, par exemple un pied, je montre, un pied, une boîte, un pied, une boîte, un pied. Disposez vos objets qui resteront en permanence en place pour votre défi. Vous vous placez par exemple sur la gauche, sur la droite pour votre écran, ici, face à cet objet, un tipping sur la partie opposée, droite gauche, un saut. Tipping, de plus en plus vite. Lorsque vous aurez fait d'un côté, la série d'après, vous commencerez de l'autre côté. C'est la coordination motrice également. Toujours en face de vos objets. Pour vos squats bulgares, n'oubliez pas une chaise pour planter votre pied avec la pointe pour trouver l'équilibre. La jambe avant le mollet est perpendiculaire au sol. Un bon équilibre, vous descendez tout droit. Votre genou ne doit pas dépasser votre pointe de pied, c'est votre repère vu du dessus pour être en sécurité. 2, 3, 4, 5. De l'autre côté, la jambe droite au sol, c'est toujours cette obligation, cette concentration pour que le genou ne dépasse pas la pointe de pied vue du dessus. Voilà, on descend. 2, pour ne pas se blesser au niveau des articulations. Alors, pour les gainages alternés, vous allez voir, c'est une question d'équilibre. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord d'essayer très très lentement en essayant de tenir 4 secondes. Comme ceci, position du gainage, ni trop cambré, ni trop dos rond. Voilà, le buste dans l'alignement des jambes, les bras en position pour faire des pompes à 90 degrés, la jambe droite avec le bras gauche. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lorsque vous aurez l'équilibre, vous pouvez le faire de plus en plus rapidement. Bonne chance! Pour les dips, toujours votre chaise qui reste en place lors de votre walk, de votre défi enchaîné. Les bras sont serrés, les coudes sont serrés, les fesses passent au plus près de l'assise de la chaise pour ne pas vous blesser et les mollets à 45 degrés par rapport au sol. Vous descendez pas trop bas pour ne pas tirer trop sur le haut des pectoraux. Le but, c'est de travailler évidemment les triceps. Allez lentement pour commencer et lorsque vous serez échauffé, vous pourrez l'intégrer dans votre défi. Pour les Russian Twists, l'idée de cet exercice est de vous faire travailler d'une façon ludique, toujours, trois objets. En l'occurrence, sur la vidéo, vous allez voir trois bouteilles d'eau. Tout le monde peut faire cet exercice chez lui, sans matériel spécifique. Volodia va vous montrer sur cette vidéo. On transporte de droite à gauche un objet pour faire des rotations de buste. L'idée, c'est bien évidemment de ne pas se cambrer, de décoller les pieds et de faire passer d'un côté à l'autre un objet, une bouteille, un objet d'une main ou avec deux mains. Plus vous aurez de déplacement d'objets avec les deux mains, plus votre rotation de buste sera faite d'une manière importante. Faites attention de bien gainer la ceinture lombaire-abdos. Amusez-vous bien. Pour les pompes sur votre chaise, pensez à bien gainer au niveau des lombaires pour ne pas cambrer. Les pieds sont sur la pointe, vous ne descendez pas trop bas. De toute façon, le dossier vous obligera à ne pas aller à la rupture. Voilà. Donc, très très lentement pour commencer. Travaillez bien l'exercice pour pouvoir l'exécuter plus tard, beaucoup plus vite, lors du défi numéro 4. L'enchaînement se fera très rapidement, donc vous devez vous échauffer. Vous devez intercaler le tipping avec les trois boîtes, avec tous les autres exercices. Je vous conseille, comme moi, de noter tout ça sur un tableau pour pouvoir enchaîner tous les exercices. Tipping, squat, vulgaire, tipping, gainage alterné, tipping, dips chaise, tipping, Russian twist, tipping, pompe sous la chaise. Ça vous fait 6 exercices en même temps, dont le tipping avec les trois boîtes qui va venir en récurrence. Vous allez tout avoir en image. À vos challenges. La chaise, les trois objets, les trois bouteilles. Tout est prêt. 3, 2, 1, top. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thank you.
méga intense et abordable pour tout le monde. Here comes the sun.